Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une bonne vieille machine qui fête ses 30 ans cette année. Il s'agit de l'Amstrad CPC 464. Hein ? Un vieil ordinateur dont plus personne ne se souvient qu'il a existé. Ah ! Bon alors ça nous rajeunit pas beaucoup, hein, moi en tout cas. Cette machine a été mon premier ordinateur, mon premier contact avec l'informatique. On dit souvent que c'est le premier contact qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Ouais, un gros con. Ouais, sans doute, ouais. Mais je pensais plutôt à quelqu'un de plus ordinateur que console. Bref, l'Amstrad CPC 464, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Alors déjà, Amstrad, c'est une entreprise anglaise d'électronique grand public créée par Alan Sugar, d'abord présent dans le secteur de la Hi-Fi et de la CB en pleine évolution. L'idée d'Alan Sugar, c'était de proposer du tout-en-un, à l'époque où une chaîne Hi-Fi était composée de plusieurs parties avec des fils dans tous les sens. Ce que fit Alan Sugar, qui voulait se lancer dans le domaine de l'informatique, c'était donc de proposer un ordinateur familial tout-en-un et surtout à un prix le plus bas du marché. Alors nous sommes en 1982, les micro-ordinateurs commencent doucement mais sûrement leur percée dans les foyers. Il y a deux sociétés britanniques qui se lancent sur le marché. Alors d'un côté on a Sinclair avec son ZX Spectrum et de l'autre Oric Corporation avec son Oric 1. Il y a aussi le Commodore 64 mais celui-ci vient plutôt des États-Unis. Alan Sugar réfléchit et se dit que pour économiser sur les coûts de production, le mieux en fait c'est de produire un ordinateur où tout est intégré, donc c'est-à-dire un moniteur, ouais, c'est comme ça qu'on appelait les écrans auparavant, un lecteur de cassette. Et donc l'unité centrale qui sera directement dans le clavier. Alors certes, Amstrad n'a rien inventé, hein, ils n'ont fait que copier ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire assembler dans une nouvelle machine non pas ce qui se faisait de mieux, mais surtout de moins cher pour un résultat assez satisfaisant. Alors on prit avec quelques changements le processeur Z80 de la société Zilog, le même qu'on retrouve dans le ZX Spectrum, un moniteur monochrome vert, même si après il y a une version couleur qui était proposée donc plus cher. Pour le système d'exploitation, le moins cher, le plus pratique et le plus accessible, c'était le BASIC. Et le plus performant à l'époque, c'était celui que proposait Microsoft, donc à un prix quand même assez conséquent. Donc ce que fit Alan Sugar, c'est qu'il demanda à la société Locomotive de concevoir un BASIC exclusif aux Amstrad. Avec un processeur ZX80, la tâche en fait apparemment serait réalisable encore plus facilement. Donc parfait, Locomotive BASIC sera l'OS du CPC 464. On intègre aussi donc le lecteur de cassette au clavier pour éviter que ce soit un périphérique, donc avec un fil. On rajoute un pavé numérique sur le clavier, ce qui n'était pas forcément courant à l'époque. La philosophie d'Amstrad, c'était « on branche et ça marche ». Le CPC 464 est né. Sa commercialisation commence le 11 avril 1984 en Angleterre pour 199 livres sterling et débarque donc en France en septembre 84 pour la modique somme de 2990 francs, soit environ 450 euros. Alors à noter que le SMIC à l'époque avoisinait les 600 euros. Hein. Donc mes parents ils ont déboursé quand même 3 quarts d'une paye pour nous offrir un ordinateur à moi et mes frères. Je crois qu'ils iront au paradis pour ça. À titre de comparaison, l'Amstrad CPC 464 c'est le moins cher sur le marché. Donc le pari d'Alan Sugar est carrément tenu. Il s'agit du premier ordinateur plug and play. Avec 64 kg de RAM, le tout intégré, écran, clavier et lecteur, cet ordinateur connut un très très grand succès et est très simple d'utilisation, deux câbles entre l'écran et le clavier et une prise secteur, basta. C'est un peu le bordel chez moi les fils là. Voici les micro-ordinateurs Amstrad. À ma droite, le 6128, à ma gauche, le 464. Amstrad a tout prévu, écran graphique, clavier, lecteur de disquette ou de cassette intégrée. Et une seule prise branchée. Les micro-ordinateurs Amstrad. Faites-le, écran graphique. Clavier avec lecteur intégré. À ce prix-là, tout est compris, sauf le vendeur. Amstrad, le mordant informatique. Alors oui, on peut se moquer aujourd'hui du fait que le CPC 464 avait un lecteur de cassette intégré, qui imposait des temps de chargement hyper longs et qui faisait surtout mal aux oreilles. Oui, on branche, ça marche, mais il faut quand même attendre 10 minutes pour jouer à un jeu. Mais n'empêche que le CPC 464 proposait une ludothèque assez conséquente avec des jeux au graphisme plutôt pas mal, même avec 27 couleurs. Donc quelques screens pour vous montrer un petit peu la différence avec les ordinateurs qui se faisaient à l'époque. Donc c'est plutôt correct pour le CPC 464. Tous les jeux à la mode avaient quasiment un portage sur cet ordinateur, donc c'est plutôt sympa. On pouvait même apprendre à programmer en langage basique et concevoir des petits programmes tout simples. Non mais sérieux quoi, personne n'a jamais programmé sur cet ordinateur pendant des heures pour des résultats complètement bidons, si ?
Bon, ok. L'Amstrad CPC 464 marqua un peu son époque pour les classes moyennes. Non pas que l'Amstrad a révolutionné le marché des micro-ordinateurs, loin de là même. La machine était considérée désuète dès sa sortie sur le marché, mais c'était surtout un ordinateur intéressant et pas trop cher qui se vendra à 2 millions d'exemplaires en France et connaîtra aussi du succès en Angleterre, en Allemagne et en Espagne. Une machine solide, avec peu de défaillances, tout intégré. Et de nombreux magazines spécialisés furent lancés, dont l'Amstrad Magazine, un tirage qui atteindra quand même 120 000 exemplaires. Alors la machine évoluera au fur et à mesure, passant au CPC 664 en 1985, puis au CPC 6128, pour finir sur le 464+, et le 6128+. Alors pour l'anecdote, le CPC 6128 utilisait des disquettes 3 pouces, qui ne deviendra finalement pas la norme, puisque c'est la fameuse disquette 3 pouces et demi qui a pris ce rôle. Tout ceci pour que Amstrad puisse faire des économies de production. Donc voilà, une petite chronique assez courte sur l'Amstrad CPC 464. J'avais vraiment envie de vous parler de cette machine qui fut mon premier ordinateur, sur lequel j'ai passé des heures à jouer et aussi des heures à programmer du basic. Si vous ne connaissez pas, il y a des émulateurs très bien qui existent, ou bien on peut encore les trouver sur des brocantes ou sur internet pour pas très cher. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Après le crack de 1983 et le CPC 464, je vais essayer de trouver un sujet autre que dans les années 80. Enfin, on verra. Je vous dis à bientôt. Ciao.